Bonjour, Mark Robertson ici pour l'alchimie du rythme et du son, Alchemy of Rhythms and Sounds. Coming to you today to introduce this little video that we did with Inge Joar Olsen from Norway. Inge Joar Olsen de Norvège, de le site Energetic Release website. My newly found friend, Inge Joar, who came through Normandy on his way down from Norway to a sacred spiritual community in Switzerland, on the other side of the Saint Gotthard tunnel. Et il était en chemin de Norvège vers un community spirituel dans lequel il reste 3 mois, je crois, pour à l'autre côté de le tunnel de Saint-Gotthard, près de Torino, et avec ses gongs. Donc il voyage, il n'a plus de maison, il voyage avec ses gongs dans un grand camping-car. Et donc, grâce à un ami de Dieppe qui m'a appelé en disant, il faut absolument que vous rencontriez, thanks to a friend of mine from Dieppe, Jean Vasse. And he connected us through spontaneously just before the new moon of November, around the 25th, 26th. Yes, we had a meditation here on the 26th, on Tuesday. And so he stayed over Monday evening, and he unloaded his gongs, and we did this little sound bath jam session. Donc, il arrivait lundi soir. Il a débarqué ses gongs dans mon salle et nous avons fait un buff, un jam session, voilà, un buff impromptu avec nos instruments. Et il fallait que je coupe un peu parce qu'on a fait 3 quarts d'heure d'improvisation. Donc là, c'est cette introduction parce qu'on n'a pas dit bonjour, on a juste lancé dans le son. Donc j'ai introduit un peu ça. Son travail, c'est Energetic Release et il est au service du son sacré sur le lieu sacré sur la planète. Donc il ressent des endroits, il va sonner ses gongs là-bas. C'est sa mission. Donc il va peut-être repasser par Normandie et je vous annonce peut-être une collaboration par la suite quand il remonte vers la Norvège. Bon, on se fait plein de cadeaux sonores entre nous. Il a un gong en titane qui est fabriqué par un bijoutier allemand qui s'est reconverti en fabricant de bols tibétains et de gongs. C'est des instruments magnifiques. Contactez-moi si vous voulez l'adresse. Et à la fin de notre échange, il m'a fait un cadeau. Et moi, j'étais très ému parce que là, le cadeau sonore, c'est vraiment un trésor pour moi. Et je lui ai fait un cadeau d'un mayoche pour ses gongs que j'avais fabriqué pour le tambour, mais en fait ça allait très bien ses gongs, donc on a échangé nos cadeaux. Et voilà ce qu'il m'a donné, c'est des petites tsinga, on appelle ça tsinga en tibétain, mais celles-là, ils sont en titane et ils appellent ça arc-en-ciel, le fait que c'est il y a ce traitement. Now, these are called Rainbow Bridge Tsinga bells, because the way they're fired, it creates this rainbow colors. And his gong is a rainbow bridge gong, and you'll hear it in a minute. And so, as usual, well, this is the original Tibetan model that wake up the seventh chakras. And so I decided to do just a little sound introduction and show you how I managed to integrate that with my old friend, my new old friend, the wolf. Yes, my new old friend, mon nouvel vieil ami, le loup. C'est le dernier instrument sonothérapeutique que j'ai acquis cet été pour un événement de pleine lune. Donc ça, c'est un instrument de tonalité de premier peuple amérindien. Et on va trouver un moyen ici. Hop. Le loup, il est d'accord. OK.
Ils vont très bien ensemble, et voilà, donc c'est pour le plaisir de le cœur et les oreilles. Gratitude. Et voilà. Voilà la suite de nos expériences avec les sons. Thank you.
good medicine. Dear friend. De pont de arc-en-ciel qui est un très pont spécial et qui est fait avec le titane. Titane, yes. Donc ça donne cette grave très très porteur de tous les autres sons. Donc, on a surfé là-dessus. We surfed on those sounds and this gives them low notes that are very very grounding. Yeah, the titanium has a special structure compared to other metals. So yes. That's also resonance in different in the body. So. Yes. Great, so we hope you enjoyed this. And see you soon for other adventures in alchemic sound. Au revoir. Bye bye. Goodbye. Comment on dit au revoir en norvégien? Ha det bra. Ha det bra.